BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on commence par la tendance, Antoine, une nette reprise sur les grandes cryptos. Vous voyez, on repasse des seuils symboliques importants, les 30 000 sur le Bitcoin, les 2 000 sur l'Ethereum. Alors, facteur technique important à signaler, c'est que cette reprise sur les cryptos a eu lieu avant l'amélioration de la tendance sur le marché action. Vous savez, on en est toujours à savoir si cette corrélation est inévitable hein, entre les cryptos et le marché action, et notamment le Nasdaq. La tendance s'améliore sur le marché action ce matin. Effectivement, on va sans doute vers un rebond du côté des places européennes, mais du côté des cryptos, le rebond était véritablement à trouver 12 heures avant à peu près. C'est une mécanique à regarder, des écarts à surveiller bien sûr. Et puis voilà que les grandes plateformes, Antoine, les grandes plateformes de trading de crypto se mettent à proposer à leurs clients de trader sur les marchés actions désormais. Et ça peut paraître incroyable, c'est le cas de FTX, une major américaine du trading de crypto, qui va proposer ça en version bêta à un échantillon de clients. Le but, proposer de trader des actions, et oui, sur un modèle zéro commission via le Nasdaq. Et ça va permettre aux usagers de diversifier leur portefeuille finalement et d'accéder à leur crypto et à leur portefeuille d'actions au même endroit. Ça peut paraître en contradiction avec un monde des cryptos qui essaie de s'affranchir justement de la sphère financière classique. Et bien là, au contraire, les clients FTX pourront même alimenter leur compte titre pour acheter des actions avec des crypto-monnaies, des stablecoins pour la plupart, mais qui vont servir de cash pour acheter des actions, en plus des transferts d'argent sonnant et trébuchant. Ça, c'est assez spectaculaire quand même. Mais FTX est aussi pragmatique, a besoin de croître rapidement, tout en étant confronté à une vague de froid sur les investissements des particuliers en crypto. Une diversification qui va surtout apporter du client à FTX, du flux. Aspect spéculatif aussi, parce que le fondateur d'FTX a pris une participation assez significative dans Robinhood, la fameuse plateforme de trading actions. Et là, Claire, on se met à spéculer sur une offensive à venir et pourquoi pas une fusion des deux, d'autant que Robinhood connaît par ailleurs une passe plutôt difficile. Merci Antoine.